Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Je voulais juste vous attirer votre attention sur quelque chose de très essentiel et primordial. Déjà, vous avez vu à Bruxelles, vraiment, on s'est fait entendre. Et du coup, chapeau à tous les combattants et toutes les Amazones qui ont participé à cette giga manifestation. C'était vraiment super. Et normalement, vous vous êtes rendu compte que c'est comme ça qu'on travaille. Donc, ne vous fiez pas trop parfois aux écarts de langage de certains sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est des stratégies. Parfois, c'est des trucs qui ne viennent pas des cœurs de chacun. C'est des choses qui sont juste, genre, parfois, on peut parler même de petites folies passagères. Donc, c'est rien de sérieux. Du coup, il faudrait, à un moment donné, que tous les Camerounais de la diaspora qui sont soucieux du changement puissent se rassembler, et nous sommes en train de travailler dessus, se rassembler un moment pour répondre à cette attaque, n'est-ce pas, des gens, des sardinards. Vous avez suivi droit de réponse sur Equinox aujourd'hui. Vous avez vu le sardinard du RDPC qui était là aujourd'hui, qui se vantait et qui était content et qui se moquait de nous en disant. Nous avons fait en 2019, nous avons fait en 2018, même fin 2018, mais nous avons fait des grandes mobilisations. C'est des Sardinats qui disent ça. Hein? Nous avons fait vraiment des grandes mobilisations en 2019, mais en 2020, rien. Donc il dit que le mouvement est en train de mourir. Il se conforte sur le fait que la contestation est en train de mourir en diaspora. Et il s'en réjouit d'ailleurs. Donc lorsque j'ai suivi ça, ça m'a fait un tic. Je me suis dit qu'il faudrait faire une précision sur ce premier point. Donc, vous voyez les gars que les gens du régime de Yaoundé se disent que nous sommes démobilisés et que la lutte est derrière nous. Que ce que nous avons réussi à faire en 2019, nous ne parvenons plus à le faire en 2020. Nous ne sommes plus autant mobilisés comme nous l'étions. Et ça les rassure. N'est-ce pas, de penser que nous nous sommes essoufflés. Alors j'ai d'abord une question à vous poser ici. Est-ce que vous êtes essoufflés? Est-ce que vous êtes fatigués? Je ne pense pas. Alors si vous n'êtes pas essoufflés et si vous n'êtes pas fatigués, préparez-vous, préparez vos jambes, parce que ça va décoller, mais alors décoller très fort. Nous avons un défi qui nous a été lancé par les Sardinards au pays. Ce défi-là, nous devons de le révéler, de le relever autant pour moi, de la plus forte des manières, pour leur montrer que la diaspora résistante est toujours là, debout, elle est présente et elle est prête à l'assaut. Donc, j'espère, mes chers frères et sœurs camerounais, que vous allez prendre ceci pour un défi, pour un affront, parce que là, ils nous ont insultés. J'aurais une deuxième question ici à vous poser. Est-ce que vous allez vous laisser insulter? Est-ce que nous allons nous laisser insulter? Nous constatons une très forte démobilisation. D'ailleurs, à ce sujet-là, il faudrait qu'on revienne vraiment dessus, sur ce sujet. Est-ce que nous allons nous laisser insulter? Parce que eux, ils sont déjà contents. Est-ce que nous allons les laisser être contents? Je ne pense pas que vous vouliez que des Sardinats à Yaoundé, partout, soient contents. Parce que nous sommes démobilisés, selon eux. Prouvons-leur le contraire. Un défi nous a été lancé sur Droit de réponse aujourd'hui, sur Equinox TV. Et nous devons relever ce défi. Nous devons relever ce défi. Et ce qui nous manque juste, c'est une date. Et nous sommes en train de travailler dessus. Une date pour une mobilisation comme le 18 mai, plus que le 18 mai, plus que le 1er février à Paris. Une mobilisation comme on n'a jamais vu en diaspora. Ça, nous sommes capables de le faire. Je ne pourrai jamais, mais alors au grand jamais, accepter de me faire salir, de me faire insulter et de me faire moquer par les Sardinats de Yaoundé. Ça, jamais je ne l'accepterai. Alors, comment y parvenir? D'où le deuxième point et surtout la précision même qui en vaut la peine. Vous avez constaté la mobilisation de Bruxelles. Elle était vraiment géniale. Nous avons vu tout le monde qui était engagé comme il pouvait. Il y a eu un petit tic,
Mais quand j'ai suivi droit de réponse aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a un peu de manipulation, qu'il y a un petit jeu politique qui se passe derrière, n'est-ce pas, ces mobilisations, qu'il est temps que ça s'arrête. En tant qu'un leader d'opinion, je dois le dire. Parce que je l'ai déjà dit en inbox, j'ai parlé, et ça ne s'arrête pas. Et donc, du coup, il faut que la précision en vale. Quand les activistes de la diaspora, de tous bords, Brigade Anti-Sardina et autres, qui se lèvent en diaspora et qui vont manifester, qui appellent même aux manifestations. Ce n'est pas un parti politique. J'ai suivi droit de réponse sur Equinox aujourd'hui encore, je reviens dessus. Et j'ai écouté Maître Roland Diéhou, pour ne pas le nommer, qui parlait des activistes, qui parlait des Amazones. À aucun moment, il n'a dit que c'était le MRC qui manifestait en diaspora. Et je ne pense pas que les activistes ou les Amazones soient du MRC ou alors des membres du MRC. Donc, quand j'ai écouté ça dans sa bouche, lui qui est l'un des porte-parole principaux, n'est-ce pas, de ce parti politique très respecté d'ailleurs, qui fait trembler le régime de Yaoundé, j'ai compris qu'ici en diaspora, il y a certains de ce même parti politique qui sont en train de vouloir jouer à un jeu très trouble. Avant de revenir dessus, j'ai reçu un communiqué aujourd'hui qui m'a laissé tomber des nues. Je me suis dit qu'il fallait d'abord que j'attende, que j'essaye de voir, d'écouter les uns et les autres pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le communiqué, je vais vous le lire juste un peu. Et dans 10 minutes, je vais clôturer parce que je vais vous dire point par point. Je vais vous mettre le point d'interrogation à la fin de mes propos et chacun en tirera des conclusions. Alors, le communiqué stipule ceci. Objet, remerciement et annonce d'un festival ou convention MRC Île-de-France. Bon, je ne suis pas porte-parole du MRC, donc merde. Sit-in de Bruxelles du 17 juillet 2020 a été un succès. Le parti a définitivement pris en main le lead de l'organisation des manifestations. Nous travaillons cependant avec la société civile. J'ai constaté un fort engagement militant de la société civile, une forte disponibilité. Écoutez bien, j'ai constaté un fort engagement de la société civile et une forte disponibilité. Alors, est-ce que la société civile n'était pas déjà engagée? Est-ce qu'en 2019, par exemple, je parle toujours du 18 mai, on a vu des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Ce n'était pas ça l'engagement? Ou alors, bon, bref. Remerciements à vous qui avez contribué aux réussites des manifestations. Le congrès est clos depuis le 10 juillet à Yaoundé. Le gré à gré n'a pas été à l'ordre du jour. Nous pouvons nous en féliciter. Cependant, nous faisons face à un régime reptilien. De ce fait, nous restons sur le qui-vive. Ouais, c'est logique, c'est un régime reptilien. Voilà. Donc, je vais m'arrêter jusque-là parce que je ne vais pas entrer dans trop de détails. Et je ne vais pas vous donner le nom de l'auteur de ce communiqué, mais beaucoup qui ont lu ce communiqué savent de qui il s'agit. Je vais bien être précis encore aujourd'hui. Et moi, je suis quelqu'un qui a horreur des manipulations. J'ai horreur du désordre. Quand on veut faire quelque chose, on fait bien. On ne manipule pas les gens. Au grand jamais, on n'a jamais vu un parti politique venir discuter un certain leadership avec des activistes. Moi, je n'ai jamais vu ça, c'est la première fois. Donc, quand je vois quelqu'un faire un communiqué se réjouissant, n'est-ce pas, que leur parti politique a pris le lead de l'organisation des manifestations en diaspora, j'ai envie de poser la question de savoir, mais il parle de ce parti politique en tant que qui? Même si tu es un responsable communal en Europe de ce parti politique, ce parti a un directoire. Et je ne pense pas que le directoire de ce parti politique, n'est-ce pas, ait donné officiellement l'autorisation à ce parti politique de se mêler, n'est-ce pas, des affaires des activistes en diaspora. Ça, c'est un premier point. J'ai suivi sur Afrique Média hier, quand je rentrais, une dame toujours qui se réclame haut et fort du parti politique MRC sur le plateau d'Afrique Média. Devant un millier de personnes. Vous savez, Afrique Média est suivie par des millions de téléspectateurs. Elle a dit et elle a affirmé que c'était le MRC qui avait pris l'autorisation de manifestation à Bruxelles. Quand j'ai suivi ça, je suis tombé des nues. Et comme si ça ne suffisait pas, le communiqué s'y a atterri dans mon téléphone. Je me suis dit, non mais, attendez un peu, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ces gens veulent?
Pendant des années, on s'est battu ici là pour dire que la brigade anti-Sardina, les activistes de la diaspora n'ont rien à voir avec le MRC, mais apportent tout leur soutien au président élu Maurice Kamto parce que c'est lui qui avait gagné les élections. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Ce qui s'est passé à Bruxelles hier, c'était une contestation musclée. Et s'il y a peut-être des représailles, certains veulent qu'on mette ça sur le dos du MRC. À quelle fin? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Quand j'ai suivi cette dame dire ça, en face, il y avait les Sardinas que vous connaissez, qui ont jubilé. Ils ont jubilé. Ils ont dit, waouh, enfin, vous reconnaissez que vous travaillez avec la basse. Vous reconnaissez que la basse est votre bras armé. Ça fait 2 ans que nous essayons de le dire, mais personne ne nous croit. Merci de nous avoir dit cela. J'ai mis les mains sur la tête. Je me suis dit non, c'est sûrement, la personne qui a parlé là, qui a dit ça, peut-être elle parlait pour provoquer ces gens et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Quand j'ai suivi droit de réponse sur Equinox aujourd'hui, lorsque j'ai entendu, n'est-ce pas, même le Sardina du RDPC qui était sur le plateau dire les activistes de la diaspora, j'ai dit ouf. Quand j'ai suivi Maître Roland Diéo qui est un porte-parole, n'est-ce pas, du MRC là-bas au pays, dit que c'est les activistes de la diaspora et les Amazones qui ont manifesté en diaspora, j'ai dit ouf. Parce que c'est ça qui est la vérité. Attention, attention. Ceux qui veulent parler au nom de ce parti politique ici en diaspora, faites très attention quand vous faites des choses. Parce que vous êtes en train de chercher des problèmes là où il n'y a pas. Les activistes en diaspora n'ont rien à voir avec le MRC. Vous ne pouvez pas en tant qu'individu parler au nom d'un parti politique. Je dis non, je suis désolé. Vous ne pouvez pas en tant qu'individu venir et dire que vous avez pris le leadership de l'organisation des contestations en diaspora. J'ai envie de poser la question de savoir à quoi vous jouez. Je m'arrête jusque là. La personne se reconnaît et je demande à ces personnes de rectifier le tir. Sinon le retour sera brutal. Le MRC n'est pas les activistes. Les activistes ne sont pas le MRC. C'est un membre d'un parti politique et de beaucoup de partis politiques d'ailleurs peuvent venir participer à une manifestation organisée par la société civile. C'est normal, ils viennent en leur propre nom. Ils ne viennent pas au nom de leur parti politique. Ils viennent d'abord en leur propre nom en tant que citoyens camerounais. Mais du moment où officiellement des gens portent le nom d'un parti politique alors qu'ils n'ont pas été mandatés, vont déclarer une manifestation comme celle qu'on a vue à Bruxelles, là où on a bagarré avec les policiers, on nous a gazé et tout, et tout, et tout. C'est mettre ce parti politique dans des problèmes. Parce que si représailles il y a, c'est ce parti politique qui encaissera. Alors, est-ce que ces personnes qui portent le nom d'un parti politique, pourtant ils n'ont pas été mandatés, réfléchissent? Vous pouvez être un responsable communal, départemental, régional du parti politique ici, en diaspora. Mais vous ne prenez pas les décisions au nom de ce parti politique parce que ce parti politique a un directoire. Et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons vu aucun communiqué du directoire de ce parti politique qui demande au parti politique en diaspora de prendre quoi que ce soit des leaders ou ses leaderships des organisations, des manifestations en diaspora. Nous ne l'avons pas vu. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Encore moins le président élu demander à son parti politique de prendre le leadership des organisations, des manifestations en diaspora. Encore que, si on veut parler même de ce parti politique, je sais que ce parti politique est très populaire ici en diaspora. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs réunions de ce parti politique. J'ai vu plusieurs réunions de ce parti politique ici sur Facebook, partout, partout. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Mais quand vous faites des choses, vous parlez au nom d'un parti politique, ça engage le parti politique. Faites des choses en votre nom. N'importe qui peut aller décider que bon, je veux lancer une manifestation, même si vous appartenez à un parti politique. Vous lancez une manifestation, mais pas au nom du parti politique. Vous lancez la manifestation en tant que société civile. Tout le reste de la société civile va vous suivre. Il y a plusieurs membres, même des adhérents de 11 millions de citoyens, des anciens, des UPC, des UPCistes, des gens du SDF, qui viennent souvent à nos manifestations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Attention aux écarts de langage. Arrêtez d'aller dire sur les plateaux télé que
le MSA a organisé une manifestation où on voit des activistes camerounais en tête en train d'affronter les policiers. Vous êtes en train de vouloir mettre ce parti politique dans des problèmes. Et ce n'est que ce parti politique qui tient tête à Paul Biya jusqu'aujourd'hui. Alors je ne peux pas laisser que des gens enfoncent ce parti politique pour leur petit calcul. Parce que, à part ce parti politique qui établit un rapport de force, donc il faudrait protéger ce parti politique et ne pas le mêler à des histoires qui peuvent lui retomber dessus demain. Faites attention. Organisez des manifestations à votre nom. Nous viendrons nombreux, très nombreux. Mais ne mettez pas le nom du MRCO ou de quelque parti politique que ce soit dessus. Je parle comme ça, c'est valable pour tous les partis politiques, même camerounais. Attention. Attention. J'ai été très content tout à l'heure quand j'ai suivi sur droit de réponse qu'on parlait des activistes qui ont manifesté et non d'un parti politique et non du MRC. Donc attention, faites très attention. Ce communiqué qui est en train de circuler partout sur WhatsApp, partout, laisse à croire que ce sont les membres du MRC qui ont manifesté à Bruxelles. Or c'est faux. Faites très attention. C'est la société civile qui a appelé à cette manifestation. Ce n'est pas le MRC. Les membres du MRC peuvent venir à une manifestation appelée par la société civile à titre personnel, en tant que Camerounais. Mais mettre le nom MRC sur l'entête d'une manifestation publique citoyenne, c'est une erreur monumentale et fatale, qui peut être fatale pour ce parti politique, parce que les Atangandji et Paul Biya et toute leur bande n'attendent que la moindre erreur pour s'accrocher dessus. Comme merci pour les éclaircissements que j'ai vus sur Equinox droit de réponse, où les responsables porte-parole de ce parti politique ont dit que ce sont les activistes qui manifestaient. Et c'est la vérité, c'est les activistes. Je suis activiste. Tout ce que vous avez vu en majorité là, tous ceux qui étaient devant, tout ce que vous connaissez là, sont des activistes. Ils ne sont pas des membres d'un parti politique. Et c'était une manifestation des activistes de la diaspora, de la société civile, qui peuvent être accompagnés par plusieurs militants de plusieurs partis politiques, mais qui viennent en tant que des sociétés civiles camerounaises soucieux du changement. Faites très attention avec ce que vous faites. Les activistes ne sont pas membres du MRC, ou alors le MRC, ce n'est pas la base. Il ne faut pas faire cette erreur. Ceux qui essayent de vouloir le faire, rectifier le tir. Faites attention. Nous ne pouvons pas vous laisser couler ce parti politique-là qui est en train de tenir tête à Biya. Attention, parce que ce que je vois là, c'est grave. Peut-être personne ne le savent pas, mais c'est très grave. Donc, j'ai vu un Sardina sur droit de réponse encore, je répète encore pour qu'on comprenne bien, dit que c'était les activistes qui ont manifesté. J'ai dit ouf. Et c'est ça qui est la vérité. Ce sont les activistes qui ont manifesté. Je ne sais pas d'où sort cette histoire où on dit que c'est le MRC qui fait ci. Comment vous pouvez parler du MRC, mais on voit que des activistes sur le truc. Donc, ou alors, attendez, peut-être je me trompe, peut-être les gens s'ils sont en train de vouloir mettre le président élu dans les problèmes. Hein. Parce que moi, j'étais à l'ambassade. Je fais partie de ceux qui ont pris l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous avez notamment les Martin Tadio, les El Chenou et tout cela également qui ont pris l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Quand on nous voit à la tête d'une manifestation et certaines personnes viennent réclamer cette manifestation étant une manifestation du RDPC. Mais donc vous voulez dire au Sardina que nous qui avions pris les ambassades là, nous faisons partie du MSC. Ou alors nous travaillons avec le MSC. Je ne comprends pas, je suis un peu perdu là. Moi j'étais à l'ambassade, les Calibris, tous ces gens que vous voyez là partout, chacun était dans les ambassades. Nous avons pris les ambassades pour revendiquer le fait que les manifestations au Cameroun se sont fait tirer, les manifestants autant pour moi au Cameroun se sont fait tirer dessus. Vous savez très bien ce qui s'est passé à la suite. Ils ont voulu nous associer. Ils ont voulu dire c'est le MSC qui nous a envoyé, c'est Maurice Kamto qui nous a envoyé, le président élu. Nous leur avons dit, mais non, nous avons agi et nous vous avions averti. Nous avons agi spontanément
Parce que vous avez tiré sur les gens, c'est pour ça que nous sommes allés aux ambassades. Quand nous sommes allés chasser Paul Biya en Suisse, vous avez vu tous ces gens toujours, les mêmes. Tous ces gens, les mêmes que vous avez vus à Bruxelles étaient chassés Biya. Est-ce que vous voulez dire que c'est les gens qui sont allés chasser Biya, ils travaillent en collaboration avec le MRC, que le MRC appelle à une manifestation et ce sont eux qui portent la manifestation? Vous voyez que vu sur cet angle-là, je ne sais pas ce que vous essayez de faire. Peut-être comme il y a des élections régionales ici, certains essayent de vouloir se positionner parce que, vous savez, les politiciens sont comme ça. Hein. Les gars, je ne travaille pas pour un parti politique. Hein. Quand je manifeste là, c'est pour la libération de mon pays. Hein. Et je ne vais jamais accepter que des gens essayent de vouloir noyer ce parti politique qui tient tête au régime Biya. Parce que le jour où le régime Biya va établir le rapprochement entre nous et ce parti politique, il y aura beaucoup de problèmes. Nous n'avons jamais été proches, de près ou de loin. Si certains membres du MRC sont venus manifester un jour en diaspora, c'est en tant que Camerounais. Jamais, jamais on a manifesté en 2018-2019. Jamais. C'est la société civile qui appelle aux manifestations. Et tous ceux qui veulent venir viennent. On a vu des gens, des militants de plusieurs partis politiques que je vous ai cités ici. Des militants de l'UPC, des militants du SDF, du RDPC, des militants de 11 millions de citoyens, des militants de Univers, beaucoup de militants de beaucoup de partis politiques sont venus s'associer à nos manifestations. Ils étaient là en tant que Camerounais. On a vu les mamas Augusta et Pania, on a vu beaucoup de manifestants qui sont venus se joindre à nos manifestations parce que nous appelions à la libération de notre pays. Attention, hein. Je me pose beaucoup de questions. Mais faites attention, je suis quelqu'un qui est dangereux. Hein. Moi, on ne me la fait pas à l'envers. Si je constate un seul instant que ce que je pense est vrai, on va courir ici en diaspora. Je ne vais pas vous laisser enfoncer, noyer le président élu et noyer ce parti politique qui tient tête et qui établit un rapport de force avec le régime de Yaoundé. Ça, je ne vais pas laisser. Parce que niveau politique, ce parti politique fait très bien son travail. Attention, je ne vais pas vous laisser noyer ça dans des histoires à dormir debout. J'étais scandalisé, mais quand j'ai suivi droit de réponse tout à l'heure, parce que j'ai suivi en rediffusion, j'ai suivi ça, ça ne fait pas 30 minutes, j'ai dit ouf. Parce que la voix la plus autorisée, je dirais, a confirmé que c'est bel et bien les activistes qui étaient à Bruxelles hier. Ce sont eux qui ont manifesté. Voilà, j'espère que nous sommes clairs et nets. Ce n'est pas, une haine que de dire cela. Ce n'est pas une attaque personnelle que de dire cela. Ce n'est pas chercher des problèmes que de dire cela. Mais c'est d'éclaircir certaines choses afin que chacun revienne à de bons sentiments. Nous avons un défi qui nous a été lancé par les sardinards. Et nous devons relever ce défi, les gars. Donc, j'appelle ici encore à l'union de toutes les forces activistes de la diaspora. Nous avons un défi à relever. Les sardinards se sont moqués de nous. Ils ont comparé nos anciennes manifestations et les nouvelles manifestations de 2020. Ils sont en train de se moquer de nous. Est-ce que nous allons accepter ça, les gars? Est-ce que nous allons accepter ça? Que les sardinards disent que nous sommes démobilisés, nous avons les problèmes entre nous, nous nous bataillons entre nous et eux, ils ont assis leur pouvoir et ce sont eux qui gouvernent. Ils l'ont dit, allez suivre votre droit de réponse. Le sardinard a dit que allez, la lutte est finie en diaspora parce qu'on se bagarre entre nous, les Amazones se bagarrent entre elles et puis on ne se mobilise plus, on n'arrive plus à mobiliser 200-300 personnes. C'est mort, la lutte est finie, on s'est essoufflé comme ils avaient prévu depuis. Nous avons un défi à relever. Ça, c'est un gros défi. 18 mai bis s'impose. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes fatigués? Je sais que vous n'êtes pas fatigués parce que moi-même, je suis prêt et je ne suis pas fatigué. Alors les gars, tout le monde, le poing levé. Le poing levé, ça, le coup de poing. C'est l'union, ça, c'est l'union, ça, c'est l'union, c'est la mobilisation. Le poing levé, c'est un symbole très fort. C'est un signe très fort pour dire que nous sommes unis et que les sardinards se trompent. Nous ne sommes pas divisés.
Le point levé, même les enfants d'une même mère ont souvent des problèmes, même dans ma propre famille, il y a beaucoup de soucis. Mais quand il faut défendre, nous sommes comme ça. Vous avez vu l'exemple à Genève. Vous avez vu l'exemple là, avant-hier, hier à Bruxelles. Le point levé. Relevons ce défi. Je suis déjà chaud. Nous allons relever ce défi. Et nous allons montrer à ce sardinard tête percée là que nous ne sommes pas démobilisés. Au contraire, on était en train de reprendre les énergies après le corona. Parce que le corona a fatigué beaucoup de personnes. Vous allez voir le voirâtre. Vous voulez parler de mobilisation? Vous savez que nous sommes capables. Vous voulez parler de mobilisation? Eh bien, vous allez voir ce qu'on appelle mobilisation. Ne vous inquiétez pas. Ceci, ce n'est que le début du commencement. La mobilisation sera effective. Et je suis sûr que vous allez mettre les mains sur la tête. Vous allez dire « Maouya !» Et ce ne sera que le début de votre fin. Parce que nous avons dit 2020. C'est 20 sur 20. C'est-à-dire, c'est la fin. Passez une bonne soirée.